Bienvenue sur la meilleure chaîne d'actualité, de divertissement, de buzz et d'information. Abonnez-vous à la chaîne Franco Le Mignon. Salut les fans, j'ai passé une semaine sur TikTok. Vous savez ce que j'ai vu? Non. Ok, les femmes vraiment sur TikTok, c'est la magie. Regardez cette scène et donnez-moi votre point de vue. Nous avons des enfants aussi encore ensemble. Et je suis enceinte de lui et maintenant lui il veut m'épouser. Mais moi je ne vais pas épouser un homme qui a déjà une copine qui est enceinte. En plus de ça, qui a déjà des enfants. Où? Ma chérie, il a 7 enfants, toi tu as combien d'enfants? Moi j'en ai 3 avec 7 papas différents. Godness! Avec 7 papas différents, ça veut dire quoi? Ça crépite, coach. C'est pas possible. Ah, ma chérie, attends, ton histoire, elle ressemble à digne d'un film de Maya l'Abeille, hein? On est dans un dessin animé de Tintin ou quoi? Écoutez très bien. Tu as 3 enfants de pères différents, ils sont 7 ans. 7 pères. Donc, ça veut dire que tu allais quelque part, on t'a enceinté demi. Tu allais chez un autre, tu t'as enceinté demi. Tu as les cheveux dans cette demi. Donc, ça veut dire que tes enfants sont demi. Écoutez très bien. Non, ils sont pas demi. Ils sont à moitié. Quoi? Ils sont à moitié. Ah, mais demi et puis moitié, là, c'est pas la différence. C'est français, coach. Ou c'est quel? Oui. J'ai pas compris. Demi et puis moitié, là, c'est pareil. C'est la même chose, là. Demi-papa. Oui. Quoi? Non, pas, en fait, je sais pas. On n'a qu'à dire ils ont 7 papas, coach. Parce que ils ont 7 coach, je sais pas trop. Dieu, les femmes. Non, c'est pas possible. Quand femme est bête, hein. Waouh, TikTok peut tuer quelqu'un. Passons un peu à l'épisode 2. Allô? S'il te plaît, Brandon, tu peux me prêter 200 000. Comme ça, tu me baises ma petite soeur et moi pendant 3 mois si tu veux même. 1 mois si tu veux. Oui, Mélissa, il y a quoi avec toi, non? Il est déjà 12 heures. Si tu ne peux plus venir là, dis-moi et remets ma chambre en désordre comme c'était, non? Eh oui! Sur TikTok, chacun a ses problèmes. S'il te plaît, Gladys, je vais arriver un moment ou l'autre à la maison avec mes amis. Mais je veux que tu fasses du genre que quand on arrive, tu cours m'embrasser, tu me fais des bisous. Petit câlin en m'appelant par mon petit nom, mon doudou, mon chou, mon père, mon tout, mon minou. Déjà que mes amis sachent aussi que nous aussi on vit le romantisme, quoi. Hein. Il faut que quand ils rentrent là, ils sentent que nous aussi on vit le romantisme, tu comprends un peu. Quelle humiliation. Passons à l'épisode 3. Tu vas où? J'ai une soirée avec mon poteau là. Hein? J'ai une soirée. Non, tu sors pas, hein. T'es malade ou bien? Tu vas pas sortir aujourd'hui là. J'ai sorti. Pourquoi? C'est pas avec moi, hein. Tu vas pas sortir. Je dis, j'ai sorti. Tu ne vas pas sortir. Et puis quand c'est femme qui commande la maison là. Hein? Sorti. Tu vas lire mon ami. Bon, madame. Qu'est-ce que mon frère, il faut sortir. Tu veux quoi avec ça? Femme! Faut laisser. Laisse pas. Faut sortir, y'a quoi? Sors, tu voulais sortir, non? Faut sortir. Voilà! Je savais! Waouh, les fans! Les femmes sont terribles, hein. Passons à l'épisode 4. Mais les gens, comment ils sont désagréables dans la rue? Hey, ma soeur, désagréable comment? Hey. Vous niquez pas la nuit ou quoi? Quoi? Niquez! Et qui reste, ça veut dire quoi niquer? Baiser la nuit, les gars! Le matin, vous allez être agréable! Pire encore dans les ministères! Jésus! Pourquoi donc tu nous conseilles de niquer toute la nuit? Tu arrives, les gens, ils sont les visages attachants, on dirait les gens qui ont bu jus de citron. Non, gars! Baiser la nuit! La nuit, c'est ouille, aïe, un, un! Quoi? La nuit, c'est ouille, aïe, un, un! Eh, Allah!
quand tu te réveilles le matin, tu es en forme, gars. Nique la nuit, ma chérie. Nique, mon frère. Vous comprenez dans la compréhension? Oh oui. Je suis dépassé, Massa. Passons à l'épisode 5. Quand un gars bameké épouse une fille étonne, il a comme impression qu'il a la faiblesse sexuelle. Pourquoi? Parce que les filles là sont exigeantes. Un peu, un peu, Elle est rouge. Parfois tu es là, tu crois que tu es malade alors que tu as juste envie de niaiser. Quoi? Parfois tu es là, tu crois que tu es malade alors que tu as juste envie de niaiser. T'es giflé à la bouche, hein. Épisode 6. Les filles qui ont barré leur titulé là parce que les benguistes venaient. Tu vas lire leur. La fête sont finies, non? Vous allez voir. C'est fini, mon frère. Tu vas lire leur. Retour à la réalité. Tu vas lire leur sous le couvert de la mamie. Ma chérie, tu sais pourquoi tu es célibataire jusqu'à présent? Non. Parce que tu veux une relation dans laquelle tu seras payé comme un fonctionnaire. Bravo, cool ta vie. Tu es pauvre, ta mère est pauvre, ton père est pauvre. Et c'est toi qui refuses de te battre. Juste pour compter sur un homme. Cool mon bébé, continue comme ça. Bon, passons au dernier épisode. Franchement, hein, je confirme que il y a les gens qui sont seulement venus accompagner les autres sur la terre. Ah, pourquoi? T'as dit, nous on est là, on souffre. Ah, rien ne va. Vous comprenez? Non, ça ne va pas. Mais les autres sont en train de briser. C'est de la gâchis. Ma soeur, tu es sûr que c'est pas par magie que ces gens brisent? Je sais pas comment ils font, ce n'est pas la magie. Mais c'est ça, c'est la vie. C'est quoi donc le problème? Il y a les filles ici là dehors, elles ont la chance pour le mariage jusqu'à... Ok, où est alors le souci là? D'autres sont y a mariés, elles ont divorcé, elles ont quitté le gars. D'autres sont dans les mariages, elles trompent le gars. Mais le gars est toujours là. Mais moi j'ai jamais eu de chance. Et c'est pas comment les filles la font. Ce n'est pas la sorcellerie ça. Et c'est toujours les vipères là, les laits de filles. Va chier imbécile. Sa tête. Non. C'est un crime. Elles ont la chance à mariage jusqu'à. Hey, donc tu veux nous faire comprendre qu'on n'a jamais demandé ta main en mariage? Moi ne m'a jamais fait semblant que ma... Je veux voir ta famille. On m'a jamais menti, même seulement. Massa, donc mon petit, on n'a jamais demandé la main de ta soeur. Non. Ok, majesté, ça peut être dû à quoi? La malédiction. Ça veut dire quoi? C'est diabolique. Ah, donc c'est le diable qui ne fait que... C'est le diable qui manifeste. Waouh, ma soeur, tu entends ça? Je ne sais pas comment ça se... J'ai déjà acheté les bagues de fiançailles. Montre aussi que je suis fiancé. Rien. Jusqu'à quand, Seigneur? Pourtant, une belle famille. Regarde, ce n'est même pas que je suis laide. Regardez aussi. Regardez. Non, maman, tu es belle. Hey. Vos yeux alors vu, non? Moi, Minga, tu entends ce que ta soeur qui raconte ici? La petite catégorie d'hommes diaboliques qui existe ici dehors, genre, un peu, il fait, elle demande un mariage surprise à la fille d'autrui. Un peu, promet à le mariage à la fille d'autrui. Un peu, il promet à toi la fille d'autrui. Genre, la fille devient sa chose. Ah, ça. Hey, continue. Elle ne peut plus aller ailleurs là. Après un jour comme ça, elle entend seulement que le gars se marie déjà. Que le voilà, on envoie les snaps, que l'on voit ton gars qui se marie au village ou bien que voit ton gars qui est là-bas à la maison qui se marie. Parce qu'une comme moi comme ça, on m'envoie les snaps comme ça, je m'habille, je m'en vais prêter la robe, je vais payer ça petit à petit. J'arrive à la mairie, on va nous marier. Oh, maman. C'est qu'on est tous morts. Si le mec blague un peu, je le fouette. Ta mère même régime, c'est au sol. Tu tentes, je te casse le pied et on se marie ensuite. Parce que c'est la sorcellerie. Vous n'êtes pas obligé de faire des promesses inutiles que vous n'allez pas tenir. C'est vrai. Ça ne donne pas. Dis que ça ne donne pas. Et loin ni walimbim. Prends bouche manchoua. Faites attention à vous. Oh les fans, c'était tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que l'anniversaire des 5 minutes de rire, un an d'anniversaire, c'est pour bientôt. Courage mon frère. J'espère vraiment que tu vas aller de gloire en gloire, de gloire en gloire. D'accord? Continue à travailler. C'est le travail qui paye. Abonnez-vous! S'abonnez-vous! N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.